Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Company of Heroes 3. Le jeu sort aujourd'hui et je suis super content parce qu'on a pu avoir une clé premium en plus. Je remercie beaucoup l'équipe de Cosmo Cover de nous faire confiance et de nous avoir fourni cette clé. Donc pour fêter ça, parce que je suis tout content, je vais vous proposer une partie sur une des deux campagnes, mais je vais vous en parler tout de suite un petit peu plus. Alors, Company of Heroes 3, pour ceux qui ne connaissent pas la série des Company of Heroes et qui ont vécu dans une grotte ces 20 dernières, ces 15 dernières années, je pense, hein, parce que le premier doit remonter il y a quelques temps quand même maintenant. Company of Heroes 3, c'est un jeu de stratégie en temps réel, c'est-à-dire que, encore que dans celui-ci, il y a un mode pause stratégique. Mais bon, c'est quand même du stratégie en temps réel, c'est-à-dire que bah, vous faites, vous n'avez pas de mode pause. Alors pour le coup, il y en a un. Mais bon, on reste sur de la stratégie temps réel quand même. Le jeu n'est pas jouable à la manette. C'est un jeu bien évidemment clavier-souris, un bon vieux STR des familles. Il est jouable évidemment en multijoueur ainsi qu'en solo. En solo, vous allez avoir deux campagnes et en multijoueur, vous allez avoir, comme d'habitude, du ranking si vous vous avouez contre d'autres joueurs, mais également un mode coop contre de l'IA. Voilà, vous pouvez faire effectivement comme vous voulez. Le jeu est en français, évidemment, il est édité par Sega et développé par Relic, comme depuis un petit moment maintenant. Et celui-ci va nous amener plutôt du côté, effectivement, de la Méditerranée, avec deux campagnes. La campagne qui va se déroulé plutôt côté italien, hein, fameux débarquement en Sicile et autres bien évidemment. Et c'est une campagne qui nous est vendue comme étant dynamique, c'est-à-dire avec une carte, enfin deux parties avec une carte de campagne un petit peu, alors beaucoup plus simple quand même, mais un petit peu la Total War. En gros, ce sera une espèce de Total War. Voilà, je grossis. Attention, ne vous attendez pas à avoir du Total War. Mais vous allez avoir une campagne où vous allez pouvoir déplacer vos troupes, faire des actions et après rentrer en mission. Donc, effectivement, le concept, c'est que normalement, vous n'allez pas avoir la même vue, enfin, les mêmes à quelque près, j'imagine, mais les premières. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la campagne, vous n'allez pas forcément vous battre au même endroit contre les mêmes troupes que lors d'une autre campagne ou qu'un autre joueur. Vous allez avoir peut-être des similitudes, mais pas forcément les mêmes, puisque les campagnes sont censées être dynamiques. Vous allez avoir, ça c'est la campagne qui va se situer en Italie. Il y a également une deuxième campagne, qui elle est une campagne classique, c'est-à-dire mission 1, mission 2, mission 3, et qui va se dérouler en Afrique du Nord, où vous allez affronter effectivement l'Africa Corps de Rommel, contre effectivement les troupes britanniques. Donc là, moi, dans cette série, je vais quand même plutôt partir sur la campagne dynamique, hein, parce que c'est quand même la nouveauté. Donc on va se concentrer plutôt sur cette campagne-là. Peut-être qu'un jour je vous montrerai aussi la campagne Africa Corps, mais qui va être effectivement plus classique. Moi on me vend une campagne dynamique avec du bac à sable, je suis très curieux de voir ça. Sinon vous allez retrouver tout ce qui a fait le succès, hein, des Company of Heroes, la gestion des sections, les prises de points, la gestion de ressources, des constructions. Et puis voilà, du char, de l'unité, de l'artillerie, bref, tout ce qu'on aime. Et c'est à peu près tout, hein, ce que je peux vous dire là comme ça, mais après on va le découvrir de toute façon en temps réel. Il y a un nouveau moteur de jeu qui a été développé exprès pour celui-ci, qui va permettre de beaucoup détruire tout le décor, avec effectivement apparemment, le moteur s'appelle Essence Engine, où vous allez effectivement pouvoir, si vous faites tomber par exemple des murs et qu'il y a une unité derrière, l'unité prendra immédiatement des dégâts si elle a une pierre qui lui tombe dessus. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça nous est vendu. Et puis voilà, alors j'aurai également accès avec cette clé au DLC qui sortira dans le courant de l'année. Peut-être une nouvelle campagne, je ne sais pas. Ils n'en ont pas dit plus pour le moment, donc je vous la présenterai évidemment en temps voulu. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le jeu et c'est déjà pas mal. Donc on va rebasculer maintenant sur le petit écran, je vais vous le montrer très rapidement. Donc vous avez le côté équipement en haut, hein, c'est purement du skin que vous pouvez débloquer. Voilà, choisir plutôt si l'unité vous voulez qu'elle ressemble à ça ou à ça. Donc après voilà, tout dépend les choix que vous voulez faire, hein. C'est vraiment purement bonus. On va avoir principalement 4 factions, hein, effectivement, on va avoir les troupes américaines, la Wehrmacht, qui sont les troupes allemandes classiques, la fameuse Afrika Korps, hein, qui est l'unité, l'armée, pardon, allemande, qui a plutôt servi en Afrique du Nord,
et également les troupes britanniques au sens large, hein, parce que je crois qu'il y a même les troupes indiennes du Commonwealth qui sont présentes également. Donc voilà, mais là c'est juste du skin, hein, vous pouvez juste choisir des petites choses bonus, voilà, rien de bien méchant. La boutique n'est pas accessible, il y aura évidemment des mods, hein, pour le moment il n'y en a pas, de toute façon le jeu n'est pas encore sorti, il va sortir dans quelques heures. Vous avez du solo, vous avez du multijoueur, vous allez pouvoir effectivement ajouter, comme je vous ai dit, d'autres joueurs et vous affronter en 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4, je crois qu'il y a 8 ou 9 cartes au commencement. Vous avez également du co-op contre l'IA, hein, pour ceux qui veulent, et vous pouvez faire des parties personnalisées. Mais nous, on va se lancer dans le solo, et on va se lancer dans la campagne italienne. Vous avez de l'escarmouche, du didacticiel, mais de toute façon, le début de la campagne italienne, vous allez voir, je ne l'ai pas fait en entier, mais j'ai commencé un petit peu pour voir quand même à quoi ça allait ressembler, cette petite campagne dynamique. Et vous allez voir, on a des petites missions un peu tuto qui nous mettent dans l'ambiance. Donc c'est parti, on se lance dans Company of Heroes 3. Let's go. Dear Maggie, it's been a while, I know. Sorry, I've never been as good with words as you. I just finished up 5 months in North Africa. Didn't see a single German all the while I was there. We were training mostly, lots of marching up and down, cleaning boots, getting yelled at. Reminded me of Fort Riley. No one knew where we were gonna end up, of course, just that we needed to be ready. One of the Brits, Roy, bent me some chocolate, we'd be heading to Italy. General Buckram arrived a couple weeks back. Seems like a decent guy. Very confident, I guess you'd call it. He doesn't like the Brit General Norton, though. They're like oil and water. Buckram's mood got worse every time he talked to him, and we bore the brunt of it. Nearly wore my fingers to the bone cleaning my damn rifle. Roy got his chocolate a couple weeks back. We're off to Sicily. I was glad to be away from the heat. Not so glad to be wandering around the Mediterranean hoping the German subs wouldn't find us. We all breathed a sigh of relief when they announced we were finally headed to dry land. Captain McKay's here. Gives me some confidence that at least one person knows what he's doing. Well, I guess it's nearly time to leave, so I'd better go find somewhere to sit. I'll try to write more, if I can. Love always, Joe. Ok. Donc on arrive en plein dans le débarquement en Sicile. La partie un petit peu tuto. Alors il y a déjà un premier tuto, hein, qui est avant d'arriver sur le menu du jeu. Vous avez un tuto que la première fois que vous lancez le jeu. Là, on va avoir un plus un tuto de campagne, on va dire, où ça va vous résumer un petit peu toutes les actions que vous pouvez faire. Hop là. Ok. Donc. Qu'on dise aux troupes de se replier, ça c'est une fonction que vous avez, la repli, ils vont se replier jusqu'à leur base. Très pratique, hein, plutôt que leur demander de faire un clic. Et ils vont également pouvoir se soigner ou récupérer. Voyons, ils peuvent se renforcer, hop, si j'appuie sur renforcer, ça me coûte des ressources, de l'effectif, mais hop, j'ai un nouveau bonhomme qui revient et ça remet les squads à fond. Ça c'est cool. Hop. Donc je vais vous montrer la pose tactique. Hop, si on se met en poste tactique, on peut effectivement programmer des actions et des mouvements. Typiquement, par exemple, eux, je vais leur dire de faire ça. Puis je vais leur dire de venir ici. Eux, je vais leur dire de se mettre ici directement. Et on va faire le tour avec les sapeurs. Hop. 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 Et hop. Et maintenant, je vais enlever la pause. Et on va voir tout ce petit monde entrer en action comme on leur a demandé. On peut voir qu'on a la chance d'avoir un lance-flamme. C'est des améliorations des squads, mais on l'a déjà de base. Ça va être très utile pour nettoyer. On
Ouais, ça fait beaucoup de dégâts, hein. Ok, alors je vais pas l'utiliser tout le temps la pause, hein. C'est vraiment un peu pour vous la montrer. Je vais l'utiliser que quand c'est vraiment utile. Hop, et c'est le terminé, voilà. Hop. Hop. Et hop. On fait pareil ici. On fait gaffe aux troupes qui sont là-bas, hein. Voilà, donc là les troupes avancent, on a affaibli, on les a bien affaiblis, on va se mettre ici et ici, parce qu'il y a encore des troupes par là, eux, ici et là. En plus on fait exploser le tonneau, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant se séparer. Hop, on va partir par là. Attention, ouais, il y a des Allemands par là. On va balancer une grenade, si c'est pas trop tard. Ouais, c'est trop tard, dommage. Bon, de toute façon, ils sont venus se planter sur nous. Allez, boum. On pense avec les sapeurs. Attention, parce qu'il y a un peu de monde là-haut. On va se planquer plutôt comme ça. Ok, ils y vont comme ça. Bon, bah. Pourquoi pas. Ils viennent s'empaler les Allemands en plus, donc ça nous arrange bien. On va balancer une charge explosive. Non, faut faire gaffe hein, parce que tout ce que vous utilisez là, vous voyez, bouffe, utilise des munitions. Qui sont des ressources. Donc même si vous avez, entre guillemets, à l'infini l'action, sachant qu'il y a un temps de recharge, alors finalement... vous l'avez pas tant que ça non plus. Sinon de ce côté là, où est-ce qu'on en est avec cette... On a perdu une unité, ok. Alors, je pourrais faire un repli, les renvoyer jusqu'à là pour... Oh, on va le faire pour l'action, pour vous montrer, on va le faire. En attendant, eux ils sont complets. Donc on va venir se mettre par là. Je vais plutôt prendre eux et je vais les envoyer là. Ça, ça c'est des petits stocks de munitions qui vont permettre de récupérer des ressources. Attention, parce que là-bas il y a de l'allemand aussi. Et eux ils ont un lance-flamme également. Ok. Les gars, feu! Ok. On va se barrer. Parce qu'effectivement ils ont un lance-flamme également. Ok, parfait. Let's go. Là ça sent le duel de lance-flamme. Aou. C'est de les abattre. En attendant, je vais mettre en pause. L'unité est là. Hop, on la soigne. Et on les fait revenir. Ah oui, mais il y a du monde ici, je suis bête, j'avais pas vu. On va reculer. Repli, repli, repli. Est-ce qu'on peut annuler un repli? Non, on peut pas annuler un repli. Ok, ce que je voulais savoir. On va péter le bunker. Ok, je crois que je l'ai déjà pété, vous allez voir. La destruction des bâtiments. Voilà, ça explose bien comme il faut. Je libère une vue sur eux. Une grenade. Et on avance. Voilà. Eux ils sont rentrés là, ils se soignent. On va les renvoyer sur le front. Hop, on récupère des munitions. Parce que c'est toujours bien à prendre. Alors les gars. Ah voilà, 62 munitions, il y en a encore par là.
Alors je sais pas trop ce qu'ils ont comme portée. Ouais, la portée pour ce genre de choses est courte, mais peut-être qu'on a moyen quand même de... Ouais, on a moyen de l'atteindre. Hop, on balance une charge explosive. Bon bah de toute façon ça y est, c'est trop tard. Let's go. Right, men. Now the beach is secure and we have a headquarters. We'll need to push up into the town. Crowd forces are going to be dug in deep, so expect heavy resistance. The town square is the key. We capture that, and Jell is ours. Airborne troops are on the way. Things will get a bit easier when they get here. Try to stay in one piece until they arrive. The locals are doing what they can to fight back. Your main goal is the town square. All right. Good luck, men. Ok. Petit changement là, effectivement, on a du char. Ok, faut libérer Jella, on va tenter ça. Now the beach is secure. We've been able to bring in some new equipment. Time to put it to good use. Donc là on a notre quartier général qui va nous permettre de recruter des sections de reconnaissance et des sections du génie. Qui ne sont... Voilà, ça c'est des fusillés donc ce n'est pas la même chose. Et ça c'est déjà des sections du génie effectivement. On a le petit hôpital de campagne qui va nous permettre de soigner les troupes, hein, de renforcer etc. Voilà. La caserne qui va nous permettre de recruter automatiquement des fusillés qui seront équipés de grenades. Ça c'est déjà bon. Et ici on va pouvoir recruter du bazooka. Je vais en faire des bazookas. Ça coûte cher hein, par contre. Vous voyez, on regagne au fur et à mesure des ressources, mais c'est pas... Voilà, ça remonte tout doucement. Après on peut capturer des points. Voilà, des points comme ça pour effectivement regagner des ressources, gagner plus de ressources plus vite. Moi ils sont aux mains de l'ennemi. Hop. Également faire de reconnaissance. Ok. Ah, c'est un secondaire. Priorité au véhicule, quand même, c'est le but. Hein. Détruire des obstacles également. On va tenter. On va tenter ça. Ça coûte des ressources ou pas plus que ça? Ouais, bon, ça suffit peut-être pas pour détruire une maison. Un bazooka. Alors qu'un char. Ah si, ça commence à péter quand même. Mais bon, ça reste un bazooka, donc forcément... Je sais pas si avec eux on peut... J'ai l'impression qu'on puisse spécialement viser. Bon bref, c'est pas grave. Et la section de reconnaissance qui est ici, ok, qu'est-ce qu'ils ont? Grenade à fusil. Ensuite une grenade détonante sur une distance supérieure à celle du grenade standard, ok. Et là, du fumigène, ouais, c'est vraiment une unité de reconnaissance quoi. Je teste hein, évidemment puisque je ne connais pas. Ok, donc ça, ça permet effectivement de découvrir un peu plus de brouillard de guerre. Balancer du fumigène aussi. Qu'est-ce qui... Effectivement, bah on voit moins bien, mais eux voient moins bien aussi. Hein. Ok. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Alors, on va se faire petite troupe, évidemment. Sapeur, hop. On va les mettre ensemble plutôt. Tac tac. Ouais, on peut pas annuler, ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Et bien, on va déjà essayer comme ça. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Donc, on va envoyer les fusillés ici. Sapeur là.
Et on va commencer à voir ce qu'on peut faire avec l'équipe de reconnaissance, justement. On n'oublie pas le char, hein, qui vient en renfort. Ok, il y a du monde par là. Bon, ici, on voit bien déjà tout ce qui se passe, donc on va aller vite en renfort. Profitons qu'on ait du monde. Faire du dégât, on en profite. Hop. Ils avancent un peu au suicide là. Bisous. Et là on va pouvoir aller capturer le point. Alors là typiquement par terre on a un bazooka. Et on peut le faire récupérer pour créer une unité de bazooka automatiquement. Ou en tout cas que eux soient équipés de bazooka. Voilà, on a maintenant une unité de fusil qui en plus a un bazooka. Donc on convertit le point. Hop. En attendant. Heads up, men. Krauts have got an anti-tank gun and a heavy machine gun defending the road ahead. Voilà, on a également effectivement des compétences de soutien qu'on va pouvoir utiliser qui nous coûtent également des ressources. Nous permettent de demander un peu de soutien, et ben on va le faire pour ici parce que ça va pas être en trop. Ok, on les aura pas tués par contre, mais on va, comme ça a fait un peu de nettoyage, on va envoyer le char. Bon, lui va prendre cher hein, avec le lance-flamme et les bazookas normalement. Hop là, terminé. Ça aurait été bien qu'ils arrivent à s'en débarrasser quand même. Pff, ok, il y a un anti-char, on recule. Voilà, allez hop, comme ça on s'en débarrasse. Mais faudrait qu'on aille se mettre à couvert parce qu'il y a quand même du monde dans les bâtiments là. On va laisser le char agir un peu. Si c'est pareil, cela dit, on va avancer. On va amener aussi l'infanterie par là. Et ils sont dans quel bâtiment en fait? Ils sont là. Ben voilà, parfait. Attention, ouais, attention les gars. Donc on peut envoyer les sapeurs hein, pour réparer les chars. C'est aussi ça, la section du génie, pardon, enfin les sapeurs, ouais. C'est aussi ça qui est pratique. Ce qu'on va faire, quand même venir voir ce qui se passe par ici. Ok. On va venir les soutenir. Allez Coco, retourne-toi par contre parce que... Vous voyez, on voit là, hein, le blindage du véhicule, il est beaucoup plus faible à l'arrière, hein, comme souvent avec les chars. Évidemment.
récupérer le point qui est ici. On va essayer de les prendre à couvert en espérant qu'on va pas se faire surprendre. Ok, si, c'est un peu le cas quand même. Faut se barrer. Ok, le char, let's go. Voilà. Ça c'est bon. On peut effectivement maintenant larguer des parachutistes. Alors, on devrait juste faire un petit coup de repli. Risqué ici pour le moment. Ouais. Ils ont pas la possibilité de faire ça. On va se replier avec tout le monde, on va aller recharger les accus. Hein. On laisse le char, évidemment. De toute façon, on va aller attaquer ce point-là après. Donc. Et où en sont les troupes? Ok, parfait, parfait. On se soigne. Ça se renforce automatiquement de toute façon, normalement. Ok, on renvoie les fusiliers ici. Eux aussi, et aussi. D'ailleurs, l'unité de reconnaissance. Je vais la mettre en 1 aussi. Voilà. Ça, c'est plus simple. On va les balancer une petite charge, même pas la peine. Voilà, ils sont tous morts. Pourquoi cette zone est encore rouge par contre? Parce que je vois pas de point pour la capturer. Normalement, il y a toujours un point à capturer quelque part. Bon, c'est pas grave. On y retourne. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Vite. 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 C'est chaud, ils ont envoyé des avions. Bon, c'était plus de la mitraille, donc pas trop dangereux pour le char, mais quand même. Enfin, ça peut faire du dégât quand même. Hein. Les balles des avions, c'est pas les balles des fusils. Hein. Ok, on a une section de mitrailleuse lourde ici. On envoie nos sapeurs dedans. Voir s'ils peuvent tirer au lance-flammes sur la mitrailleuse lourde, ce serait pas mal. Ah oui, mais ils rentrent par là-bas. Ouais, ils peuvent. Ouais, c'est pas mal. Ah, écrase-moi ça, voilà. Ok,
On va envoyer l'infanterie là-bas dedans. Et eux, ils vont attaquer le canon anti-char ennemi. Let's go. Merde, je pensais avoir les lance-flammes avec moi. Let's go. Ah, le feu, ça les fait reculer en plus, hein. C'est vraiment pratique comme arme. On va les faire changer d'endroit. On va surtout tirer sur le char déjà. Calmons-nous. Voilà, terminé le char. On va envoyer les gars ici, les sapeurs. Espérons qu'ils vont pouvoir tirer au lance-flammes. Oui. Parfait ça. Hop, le char. Oula, ça se téléporte là. Parce qu'on a fini, c'est ça? On a réussi. On a même les civils qui nous accueillent. Ok. Dans cette première mission. Donc voilà, ça on voit cette photo là. Ça c'est un aperçu effectivement de la fameuse carte de campagne que je vous disais. Là on n'est pas dans le jeu, on voit bien que les unités sont beaucoup trop grandes pour les routes. Ça permet effectivement de gérer des bataillons, des unités et de pouvoir prendre part après à des batailles dans la zone où vous vous trouvez. Sur le papier c'est ça, j'ai pas encore testé. Finally took Sicily. Roy said it took 38 days. I'm not counting. I'm just grateful for the break. We lost a lot of good men. And if that wasn't enough, it looks like half the damn German army got away. They'll all be waiting for us on the mainland, no doubt. Although McKay says the Italians have had enough and surrendered. Some of them have even started trying to fight against the Germans. Not sure how effective they'll be. We'll see, I guess. We got word yesterday that the theater commander got kicked back to the US and they're sending someone new. He's gonna have his work cut out for him, that's for sure. Buckram and Norton have been at each other's throats since we landed at Jayla. Roy's been taking bets on who's gonna get punched first. My money's on Norton. He's too arrogant to get us to Rome, if you ask me. Not that anyone does. McKay's got us prepping for the main op. He's still a hard ass, but if anyone can get us through this, him. The landing's supposed to be a tactical surprise, but everyone knows where we're headed. The Germans do too, I'd bet. Either way, that new commander's got us spread pretty thin. I hope he knows what he's doing. Okay.
Et donc du coup, on va rester là pour le moment. On va en rester là. Et Welcome to Rainmaker, Commander. bah, je vais juste laisser Unfortunately, passer our les British textes. On se allies have a retrouvera lot of pour un crowds deuxième retreat épisode to the mainland. pour la I think you'll suite. find, General, that the British forces played their role to perfection. Perhaps you should look closer to home for the cause of the operation's shortcomings. Now listen here, Clarence. It was your insistence on operational prudence that got us into this situation. Commander, where General Buckram and I do agree is that we must follow the Germans and make our way to the Calabria region of Italy as soon as possible. Voilà, on regardera cette petite partie-là pour le prochain épisode. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et que vous avez envie de voir la suite. Je vous dis à très vite sur les Jeux du Cygne. Merci à tout le monde. Bye bye!